Salut tout le monde! Alors normalement la vidéo que vous êtes en train de regarder aujourd'hui c'était pas celle qui était initialement prévue, sauf qu'actuellement en fait ça se voit un petit peu à ma tête aussi, je pense c'est un petit peu la cour, j'ai pas mal de choses à faire et c'est pas facile avec Lana, c'est toujours un amour mais elle me demande un petit peu plus de mon temps en ce moment, du coup j'ai un petit peu moins de temps à consacrer à ma chaîne, aux vidéos, etc. Du coup c'est pas grave, je pense que vous allez être contents quand même parce qu'aujourd'hui c'est la rentrée et que du coup j'ai décidé de vous filmer ça et puis bah, puisque j'ai pas terminé de faire la vidéo qui était initialement prévue pour aujourd'hui, et ben, je me suis dit que de toute façon vous seriez ravis de m'accompagner sur cette reprise de l'équitation. C'est parti. Alors, niveau affaires, j'ai donc pris pantalon bordeaux que j'ai eu à Terre et Eau. J'ai également des protections qui sont dans le fond de mon sac, mais bordeaux également. J'ai pris ma bombe Sam Shield et comme vous le voyez, pour ceux qui ne connaissent pas mes sacs rêves compulsifs, c'est assez grand pour pouvoir supporter un tapis et d'autres articles à l'intérieur. Ensuite, j'ai mes bottes de chez Fellini, j'ai ma boîte, enfin mon sac de pansage, bah, comme celui de l'année dernière que j'avais d'ailleurs pour le club. Et je n'ai pas pris ma selle, j'ai pas pris de filet ou quoi, parce que tout simplement, je ne sais pas qui je vais monter, je ne sais pas si ma selle sera adaptée, et je ne sais pas cette année avec qui je vais commencer une saison. Donc pour l'instant, bah, je me suis dit, je vais prendre un taille cheval, ça ira un grand poney ou un petit cheval. Et puis, bah, on est accompagné de maman. Votez un. Hein puisque qui dit reprise de l'équitation dit que j'ai besoin d'une nounou pour garder ma petite fifi chérie. On est en train de se prendre un café parce que bah, quand on est maman, quel que soit l'âge de votre enfant, on est fatigué. Donc on a besoin de se requinquer un peu. Pas lui-même. Ils ont pris un ciseau, ils ont fait comme ça. Non. Ne faire pas. Alors c'est génial, j'ai tous les poils de Quesada, qui est sûrement la dernière que j'ai montée, qui sont en train de se mettre sur lui. C'est cool. Il est marron, mais c'est des poils blancs. Non, on va sautiller. Je suis en train de dire qu'en fait, la dernière fois que j'ai monté Tanel avec la tenue que j'ai choisie aujourd'hui, je suis tombée. C'est toi qui lui as coupé la crinière apparemment. Joli. Je ne confierai pas mes chevaux. Sur la piste en restant au pas.
doigts sur les rênes, les ongles en face à face, les coups de cœur, les rênes ajustées pour avoir les mains devant le garrot. Ça y est, le cours est enfin, je dis bien enfin terminé. Parce que clairement j'ai plus de jambes. Mais je l'ai dit d'ailleurs à mon coach à un moment, je ne sentais plus mes jambes à partir du genou jusqu'aux chevilles. C'était du coton, j'avais des fourmis dans les jambes. Je pense que c'est la reprise tout simplement parce que ça fait longtemps, mine de rien, que je n'ai pas monté aussi intensément, on va dire. Mais mine de rien, ça fait du bien parce que je sens que mes muscles travaillent bien, que ça va m'aider du coup à resculpter un petit peu mon corps. Puis de reprendre le cheval, refaire du sport, bah ça fait du bien au moral aussi. Ça me casse un petit peu moi dans ma nouvelle routine là que j'ai depuis 3 mois maintenant. Et puis j'étais contente mine de rien de remonter aussi. Attends, j'arrête pas de dire mine de rien. J'étais contente de retrouver Tanel parce que c'est un cheval que j'ai monté il y a un an et que j'aimais bien. Même si j'ai un petit peu de mal à m'y faire parce que ça me change clairement de Nomade. C'est pas les mêmes sensations, il est très aérien, c'est des foulées de cheval. Nomade il est très c'est un poney qui a du gaz tout ça. Donc ça me change et c'est pas facile de se réadapter mais je pense que ça va revenir, il n'y a pas de raison. Donc voilà. Vous aurez très prochainement une autre vidéo d'un autre retour à cheval, mais pas le mien, celui de Jean. Ouais, parce que dans 2 jours, Jean prend son tout premier cours aux écuries. Je pense que j'ai autant hâte que vous de voir ce que ça va donner. Bon, sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !